Le prince William sera le parfait acolyte de Charles lorsqu'il sera roi avec les Cambridge qui contribueront à renforcer l'image de la famille royale, a affirmé un commentateur royal. Ces dernières semaines, la reine Elisabeth II a annulé de nombreux engagements et apparitions en raison de problèmes de santé. La monarque de 95 ans s'est récemment retirée du service du dimanche du ou venir quelques heures avant sa comparution prévue, en raison d'une entorse au dos. Alors que Sa Majesté a reçu l'ordre de se reposer par ses médecins, d'autres membres de la famille royale sont intervenus en son absence. Il s'agissait notamment de son fils aîné et héritier du trône, le prince Charles, qui a récemment célébré son 73e anniversaire. Le prince de Galles a remplacé Sa Majesté lors du service du dimanche du souvenir à Whitehall et a déposé une couronne en son nom. Ce n'est pas la première instance qu'il remplit cependant, car Charles a assumé des tâches supplémentaires à la place de sa mère, depuis près d'une décennie maintenant. Lorsque le prince finira par monter sur le trône, il pourrait avoir un acolyte fidèle en son fils aîné William, a affirmé un commentateur royal. L'historien royal, le Dr Ed Owens, a également souligné que malgré le retrait des fonctions royales entrepris par le prince Harry, 37 ans, l'année dernière, la popularité de la famille royale se poursuivrait en raison de l'image publique de William, de sa femme Kate et de leurs trois enfants. Il a poursuivi en expliquant que même si Charles n'est peut-être pas le plus populaire des dirigeants, la famille royale reçoit un coup de pouce important en raison de la popularité de la famille de son fils. Il affirme que la popularité des Cambridge est due à leur image de « famille idyllique ». Une enquête menée par YouGov a montré que le prince de Galles a des taux d'approbation de seulement 45%. Le sondage a mis en évidence que son fils William avait un taux d'approbation considérablement plus élevé de 62%, ce qui pourrait le considérer comme un atout pour Charles lorsqu'il dirigera le pays. Le Dr Owens a déclaré à express.company.uk, « Oui, un fils est parti. L'un, si vous voulez, un lieutenant de confiance est parti et ne semble pas intéressé à soutenir son père, comme c'était à l'origine le plan. »